Cette partie de Tahiti, une des plus belles, la côte sud, est protégée par un vaste lagon aux couleurs éclatantes. Cerné de quelques îlots aux formes irréelles. À proximité des belles plages blanches de Punaouia, c'est un des plus beaux marae de Tahiti, le marae d'Arareraro. L'ampleur de ce temple de plein air témoigne de la force des religions anciennes des Polynésiens. À l'extrémité sud-ouest de l'île, près de la pointe Maraha, les grottes Maraha sont enfouies dans la végétation tropicale. Non loin de la baie de Mataïa, les enfants viennent le dimanche se baigner dans une rivière baptisée le Bain de la Reine. En cours de route, nous sommes un peu perdus. Nous demandons notre chemin à un couple polynésien. Il y a une petite barrière, mais il y a plein de voitures à l'extérieur. Ah bon ? Voilà. Bon, 2 kilomètres. Cet homme est en train de retirer les queues des fruits qu'il a cueillis dans son arbre. Quenelle. Il y a une tortue. Voilà, on va pleurer. Travaillement, c'est chiant. Oui, ça fait pas dire. Voilà. Ouais. Ok, ok, ok. Donc on met du sel. Voilà. Et ça sèche au soleil. Voilà. D'accord. Après, on met... Oui. On met dessus. Et ça donne ça. En approchant de la presqu'île Tahiti-Iti, un jardin botanique a été créé par un Américain, Harrison Smith. On y admire des plantes tropicales exceptionnelles, d'une vivacité incroyable. Thank you.
on y voit le fruit étrange du palmier Nipa. Le jardin botanique a deux pensionnaires, plus que centenaires, amenés par un navigateur depuis les Galapagos, leur archipel d'origine. Aux portes du jardin, le petit musée Gauguin nous permet de connaître tout sur le séjour de Gauguin à Tahiti, où il vécut et peint avant de regagner les Marquises. Plus loin, voici la baie de Port Faycon. Ici commence la partie la plus préservée de Tahiti, la presqu'île appelée Tahiti Hit. Sur ces plateaux, on élève du bétail et cultive de superbes champs d'ananas. Au large de la presqu'île de Teahupo, les surfeurs du monde entier viennent affronter une vague particulièrement vicieuse, le Teahupo, dont le nom a été donné à une grande compétition de niveau mondial. Plus au sud-est, le rivage est particulièrement désert. À l'extrémité de Tahiti Iti, le lagon disparaît et la houle du Pacifique vient battre les falaises imposantes du parc. Au nord-est de l'île, le lagon reprend à la pointe de Tahotira. C'est dans cette baie que Cook est venu pour la première fois jeter l'ancre en 1769. Au nord de l'isthme, qui relie Tahiti, Tahiti Iti, un petit îlot magique, le Motu Nono. Une végétation abondante est présente sur l'île de Tahiti Iti. Ici tombent trois cascades spectaculaires, les cascades de Farumae. On raconte que ces deux cascades apparurent un jour pour cacher une belle jeune fille et son amant. Poursuivie par des guerriers, que la troisième cascade finit par l'engloutir.